I hope you're all having a good day. Different time zones, so most of you, some of you morning, some of you afternoon, some of you evening. I hope your days have been going well. My name is Lilian Wanziga Mupende. I'm the NAP project lead for GGGI Rwanda program, and I would like to welcome you to today's event on green buildings, focusing on practices in circular materials in Africa. This is hosted by the Global Green Growth Institute, and today's event is part of the Global Green Growth Week, GGGI's annual global conference designed to promote knowledge sharing on the green growth agenda. This conference is organized in the margins of the GGGI's Assembly and Council joint sessions. This year's event will take place under the theme of unlocking the potential of green growth and climate finance innovations. Before we start, I would like to give a few quick housekeeping details. First of all, while GGGI is pleased to host the event and to provide support for the events, the content and opinions expressed are those of the panelists or the presenters. I would like to remind all presenters to please keep your microphone on only during the presentation, then on mute when you're not speaking. Mettre le micro, d'allumer le micro lors de la présentation et éviter les bruits. Et cette session sera enregistrée et le lien sera disponible après la session. Il y a l'interprétation disponible en français et en espagnol. Vous pouvez choisir la langue de préférence. Et dernièrement, soyez libre de laisser vos questions dans le chat. Et si vous avez des questions techniques, s'il vous plaît, laissez des messages dans notre chat et nos collègues vous assisteront. Avant d'inviter Madame Elena Melio, la directrice de GGGI, nous allons recevoir le discours de notre président, Monsieur Park Ki-moon. Excellences, distingués invités et mesdames et mesdames, mesdames et messieurs, j'aimerais bien vous inviter à cet événement de la semaine verte organisée par la communauté. J'aimerais bien vous remercier pour votre présence. Nous avons les défis de tout le temps et nous pourrons faire nous battre toujours contre les crises climatiques. Et cette année, nous sommes bien dans les années de crise. Nous sommes en train de détruire notre espoir d'un avenir meilleur et nous devons travailler ensemble pour sauver notre planète. Je suis heureux de savoir que vous êtes si nombreux à vous réunir pour échanger des idées et des solutions, des bonnes pratiques sur la manière de faire progresser la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le changement climatique, le cadre que j'ai contribué à établir lorsque j'étais secrétaire général des Nations Unies. Je suis particulièrement heureux de savoir que vous êtes nombreux à venir des quatre coins du monde, notamment d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, du Moyen-Orient et du Pacifique, et qu'un grand nombre de solutions qui seront discutées proviennent des femmes et des communautés autochtones qui sont les plus touchées par le changement climatique.
Je vous encourage à profiter pleinement de la Semaine mondiale de la croissance verte et à échanger activement les uns avec les autres en tant que champion et praticien de la croissance verte. La crise climatique exigera la collaboration et l'action collective de chacun d'entre nous, car le changement climatique ne connaît pas de frontières, ne le fait pas des discriminations fondées sur la race ou la classe sociale. Nous pouvons transformer nos économies et nos sociétés et laisser un avenir meilleur, un avenir durable et inclusif uniquement si nous travaillons ensemble. Les défis seront difficiles et il n'y a pas de raccourci. Mais si nous travaillons ensemble de toute urgence, nous pouvons pas y parvenir. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de plan B car il n'y a pas de planète B. J'espère que vous vous joindrez à moi pour faire du monde un endroit meilleur pour les générations futures. Je vous souhaite des échanges très fructueux et réussis pendant les semaines mondiales de la croissance verte. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir partagé. Bien. Sans tarder, permettez-moi d'inviter GGGGI Elena pour le discours préliminaire. Très bien, merci beaucoup. Je viens à vous, Lilian. Et je peux voir que cet écran me trouble un peu, mais ça va. Je vous salue, bonjour, bonsoir, et je vous invite à cette session. Et comme vous avez entendu le discours de M. Ban Ki-moon, je pense qu'il est maintenant temps de travailler avec notre leader pour trouver des solutions de nos défis auxquels nous faisons face. Et je suis très heureuse parce qu'il y a plusieurs innovations qui sont introduites et nous avons déjà avancé dans certains domaines. Et cette session est vraiment une bonne session parce que je peux voir que beaucoup d'efforts ont été fournis en termes d'économie et des immeubles et dans tous les pays où nous travaillons. Et cela change aussi des pays où nous travaillons. Donc, je peux vous donner un contexte en termes de tendance en Afrique et il y a plusieurs opportunités en termes de ce que nous voyons. Donc, en 2050, l'Afrique aura plus de population que nous voyons aujourd'hui. Et cela veut dire qu'il va y avoir une grande demande de bâtiments et des immeubles. Et il y a beaucoup à construire. Et nous sommes pour donner la formation et des bonnes pratiques de la construction en ce qui concerne les matériaux circulaires. Et GGGI connaît les opportunités en fonction des aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine portant sur le développement durable. Et c'est un engagement que GGGI apporte. Et en termes de construction et les matériaux de construction, nous sommes en train de construire un succès robuste. Et nous avons des sessions de partage de connaissances lors de cette session, cette semaine. Nous allons parler de plusieurs manières dont nous pouvons faire pour remédier à ce problème. Je vous remercie beaucoup et j'ai hâte d'entendre ce que vous avez à partager lors de cette semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elena, et c'est vraiment un honneur de partager votre discours. Et merci beaucoup d'être parmi nous. Et aujourd'hui, nous avons les
intervenants intéressants. Nous avons des personnes qui vont nous montrer les voies d'innovation et les bonnes pratiques que nous pouvons emprunter en Afrique, tout à travers le continent. Et donc, je vais commencer par présenter nos intervenants, Dr. Lali Mwetu, qui travaille au Togo. Il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans dans le domaine. Il est maintenant en Europe après son doctorat à l'Université de Zurich, où en 2019, il a travaillé avec son partenaire, Dr. Tibet, et il est dans le secteur des immeubles pour donner les maisons disponibles pour tout le monde et abordables. Et ceci va être un changement de paradigme pour l'Afrique parce que nous faisons face tous des problèmes des immeubles et nous allons entendre ces innovations et à vous la parole, monsieur. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, nous le pouvons. Merci beaucoup pour la présentation. Aujourd'hui, je vais commencer de parler sur la construction de l'avenir de bâtiment et je m'appelle Lanli Landru et notre vision est juste pour faciliter la construction et les maisons abordables. J'aimerais bien commencer par cette image et pour moi cette image représente ce que nous essayons de battre, d'enlever. Vous pouvez voir l'inégalité. D'un côté, vous pouvez voir les maisons décentes dans un endroit où l'Afrique aura la population des milliards de personnes que nous voulons accommoder dans l'avenir. Et de l'autre côté, vous pouvez voir les maisons décentes, mais le choix de matériaux choisis ne sont pas conformes à notre environnement. Et nous savons tous que les immeubles sont vraiment importants pour résoudre le problème de santé. Donc, pour faire face à cette défi des immeubles, nous avons choisi des matériaux utilisés et nous parlons de béton et des briques d'argile. Et vous pouvez voir, cela représente 75% des ressources consommées partout dans le monde. Et nous avons entendu les problèmes de changement climatique dans le monde, mais nous voyons que c'est un sujet menaçant, surtout en Afrique, et nous devons trouver un moyen de résoudre ce problème pour construire des maisons dans l'avenir. Et quelles sont nos solutions à Oxara? À Oxara, nous regardons ce qui est disponible à tout le monde. Ce sont les matériaux en forme d'argile qui sont consommés par l'industrie de construction. Et donc, nous considérons cette ressource comme l'avenir. Et nous avons les matériaux que nous pouvons transformer à travers notre technologie que nous avons développée. Et cette technologie est ce que nous pouvons appeler un sac, que nous pouvons appeler adjectif, pour transformer le matériau pour des briques. Et vous pouvez voir des exemples ici de ce que nous pouvons faire avec cet additif. Et donc, c'est un obstacle
pour le matériau d'excavation que nous pouvons produire 99% de matériaux de béton avec des briques aussi. Quels sont les apports ou les atouts de ces matériaux? D'abord, nous devons regarder la transformation de ces bétons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de ciment pour construire un béton et other side you have ciment et dans la dépression. Et vous avez aussi les eaux dures qui sont disponibles. Et donc, nous facilitons l'économie circulaire, mais aussi les ressources que nous avons dans notre environnement. Et cela est disponible quand nous utilisons les infrastructures de béton dans le processus. Et en regardant ces matériaux, vous allez réaliser que nous avons besoin d'incinérer ces matériaux. Et quelle est la comparaison des matériels disponibles aujourd'hui? Si vous avez le matériel aujourd'hui qui, d'un côté, sont utilisés pour faire les immeubles, ce que nous pouvons faire, c'est d'atteindre la même performance en réduisant l'émission de carbone, dioxyde de carbone. Et vous pouvez voir qu'il y a une réduction de 30% avec nos matériaux. Donc, quels sont les impacts de nos produits? Donc, vous pouvez voir 15% des immeubles résidentiels et vous allez épargner 15% de production de dioxyde de carbone dans le matériau de construction sur l'échelle mondiale. Et donc, nous croyons que notre technologie ne nous permet uniquement, non seulement de réduire le dioxyde de carbone, mais aussi facile pour ajouter la valeur dans nos résidences. Et avec cela, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Niali. Et cela a été un travail abattu. Je sais que nous avons beaucoup de questions à la fin de chaque présentation. Je vais prendre juste quelques éléments que vous avez ajoutés. Le fait que le béton et les briques contribuent 10% de la réduction de dioxyde de carbone, mais aussi pour avoir des briques et comme vous avez dit, nous pouvons avoir tout cela à partir de nos déchets et donc pour réduire la quantité de déchets que nous avons dans nos notre environnement. Et donc, cela va nous aider à garder propre notre environnement. Et comme vous avez dit, nous pouvons aussi épargner notre sable et garantir la durabilité de briques que nous pouvons fabriquer, mais aussi réduire les coûts à 20%. Et j'apprécie vraiment et salue cette présentation. Nous passons maintenant à notre prochain intervenant qui est Bella Ibakuza. Elle est le directeur de l'Institut de construction dans la technologie de construction. Elle a un engagement dans
le partenariat sur l'impact de la communauté. Elle travaille sur la durabilité et justice. Elle a le master dans l'université de Pretoria. Noëlla, à vous la parole. Il y a beaucoup d'écho. On a du mal à entendre. Après la présentation, peut-être vous pouvez vous approcher. Merci beaucoup. Je vais vous présenter. On a du mal à entendre la présentatrice. And our mission is to research, build, and advocate for architecture that promotes justice and human dignity. So we are an office of about 250 plus architects, engineers, landscape architects. We have filmmakers. Veuillez nous excuser, nous avons du mal à entendre. Madame Noëlla. So we work around the world. We have offices in the US, in Boston, Phuket, and Santa Fe, but also offices in Rwanda. We're in Africa, where in Rwanda we have our largest office in Kigali. We also have offices in South Africa, and we are a diverse group of about 20 nationalities. Sorry to cut you short, Noëlla. We seem to be losing your voice. The sound is not too clear. I don't know if you can be able to adjust your microphone or increase the volume so that we can be able to... Nous avons un problème de son. Je ne sais pas si vous pouvez vous approcher ou réajuster votre micro. Comme j'expliquais, the initial phase was really to create awareness among other practitioners, architects, engineers about embodied carbon, how to measure it, and especially how to reduce it in our construction and buildings, etc. We just started our second year where we're hoping to include other professionals as well, the government, manufacturers, and students, etc. So starting on this presentation, as already mentioned, we need to limit our global warming to 1.5 degrees by 2100. And that means that we need to reduce our net emission of CO2 by half in 2030 and by zero in 2050. So what does that mean for the construction industry? We've already noticed in East Africa and in Rwanda as well, the consequences of climate change and global warming, where we have experienced extreme heat, which leads to droughts, but also extreme rains as well, which damage infrastructure such as roads, bridges, and electricity supplies. And particularly in Rwanda, on my left, we have been experiencing global warming, heavy rains, and also droughts, especially in the south. We know that buildings contribute to about 40% of CO2, 28% from the building operation, and 11% from construction. And for a long time, we've been really focused on the operations and given less importance on construction. We're actually, as architects, we have more control during construction, during operation, as you can imagine, when the building is taken over.
anything can happen. So we need to do things right from the beginning. Also, we need to notice that in Africa, we'll be building more than any other regions in the next 40 years. That means that, especially on the continent, we need to be more careful on how we do it. Everyone is responsible, not only architects, but also policymakers, NGOs, such as manufacturers, investors, everyone who is there. A few methods on how to reduce embodied carbon. We can start by building less. That means maybe to consider a new building. You can renovate or retrofit what is already existing. So instead of demolishing, the construct for reuse, using low embodied carbon materials that are sourced efficiently and require less intensivity in terms of production. And that means local materials, especially as much as you can. So I can give a couple of examples on how we have achieved. Who don't know this example? Est-ce que vous voyez nos projets? Nous utilisons les matériaux. J'ai vraiment du mal à entendre le présentateur. Je ne peux pas entendre ces mots. We also did a few calculations, not a few, a lot of calculations at the beginning to see if we can use steel instead of concrete. We realized that using a steel structure is actually less embodied carbon, especially that at the end of its life, we can reuse this steel somewhere else. The Nyarugenge Hospital in Mirambo, in Nyarugenge, where it's about 7,000 square meters, where because of the nature of the building, we were constrained on using reinforced concrete for all external walls, but we used earth blocks for all our internal partitions that did not require to be fired in order to reduce the CO2 on this project particularly. And in terms of maintenance, we cladded with bricks as much as we can so that we do not need a lot of maintenance during the use of the building. So the case studies we used for this toolkit, we chose these four buildings because we also worked at the University of Rwanda, so we wanted to use buildings that were very well known by the students, but also by everyone in the profession. So the School of Architecture, which is mostly constructed with reinforced concrete, making about 87% of its embodied carbon up front. Rika, which I just presented to you, which used a lot of earth and timber and stone. And you will see on the graph below that in end life, the biogenic carbon storage actually contributes to the positivity of the climate. The Rwanda Cricket Stadium, which is also a very good example, where the structure is really made up by compressed, stabilized soil tiles that were mortared together, and they were all sourced really close to the building. It does not have any finishing, so it's a good example of building less. We also have the School of Mining, also made of reinforced concrete. It's a two-floor building, and it contains offices and lecture rooms and museums. So by comparing this building, the School of Mining was the highest, especially because of the concrete used, but I would like to highlight on Rika because of the biogenic storage in the timber used. They actually contribute, not only it's negative to its carbon emission, but it puts back oxygen to the atmosphere. So, which actually might trigger climate positive in 2014.
The cricket stadium is the less, because as we have seen, it's only really used soil and really no other materials at all. So this is a comparison without really naming the projects for Congress, if I can say that. But just as an example, it will take like the size of these red dots, just planting trees on this entire site to offset the CO2 emission from this one construction project here. But it's really big because this building is naturally big. But when we normalized by floor area, you can see it does not contribute as much. This is still by the life cycle stages from material production to the end of life, where you can see that most of the embodied carbon is actually during material production, which is between 50 to 70%, but also during the use of the building. And this includes your replacement of probably your finishes of your building under when you're renovating or replacing some damaged pieces. So by just comparing from material to the end of construction, not the end of life, we typically in literature, you will see that buildings should be between 300 and 600, but the ones we measured, they were all quite higher than what's supposed to be, what's in the literature. And again, it was between the material production, and this long one is again the school of mining. So we also if we can kindly draw to a close so that we can allow for adequate time for Q&A. Anything that you've not been able to share, we can have also during the Q&A session. So kindly wrap up in 1 minute. Thank you. Okay, sounds good. So we also compared in terms of structure, and the superstructure was the highest. Essayez d'abréger dans 1 minute. Vous allez conclure vos propos. Thank you very much, Noella. Quite an interesting presentation there. I think very appropriate following. Merci pour la présentation. Quand je n'ai pas pu suivre. Comme il se doit, mais vous avez abordé la question de la transformation de matériaux pour la construction et aussi nous essayons de voir la question de matériaux de construction et aussi des outils que nous pouvons utiliser pour mesurer les carbones, mais aussi les types de projet que vous faites pour tester cela dans notre environnement. Et je pense qu'il est important pour nous de savoir qu'il y a des statistiques très importantes pour la pollution de notre environnement. Et si vous ne travaillez pas concernant cela, il nous sera vraiment difficile de progresser. Nous avons besoin de construire intelligemment pour avoir un environnement avec l'environnement durable. Et j'aime aussi le fait que vous avez mentionné les matériaux et c'est ce que Zara essaie de faire, comment nous sommes capables de recycler le matériau de construction pour rendre utile pour la construction. Et merci beaucoup pour votre présentation et j'ai hâte d'entendre les questions de l'autre participant en ligne. Et permettez-moi maintenant de présenter le prochain intervenant. Nous présentons la valeur de construction et les normes exigées. Et George est un officier de l'Ouganda. Il est
de l'université de Makerere, mais aussi est titulaire de master dans le domaine de technologie. Il a travaillé pendant 10 ans dans les régulations et les projets bancaires dans le développement durable et dans les secteurs de développement. Et il est aussi dans le projet financé par l'Union africaine en Ouganda. Et nous vous passons la parole, Monsieur George. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup, Liliane, pour la présentation. Beaucoup. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation et félicitations à tous les intervenants précédents. Et je vais juste souligner quelques points dans ma présentation sur les liens entre les pratiques et comment ces pratiques sont liées aux matériaux de construction et le concept des immeubles verts. Et pour le travail que nous faisons en Ouganda sous le projet sponsorisé par l'Union européenne, c'est juste un élément de cela concerné par l'environnement. Et je peux reconnaître que c'est un projet que nous faisons ensemble avec le ministre, le conseil de construction en Ouganda et le ministre de travaux en Ouganda. Et donc, nous travaillons ensemble dans en Ouganda et avec le code de construction pour la protection d'environnement dans le concept de sécularité. Et dans une période d'une année, nous avons travaillé avec le conseil de construction en Ouganda, mais aussi avec les cadres régionaux et les groupes. Et nous avons réalisé qu'en Ouganda, nous avons la loi de contrôle de la construction. Toutefois, nous trouvons que ces éléments sont isolés du reste du code et il y a toujours des ambitions qui exigent le renforcement de capacités parce que vous pouvez voir qu'en Ouganda, il n'est pas facile de mettre en place pour les utilisateurs du code. Et nous avons pu aussi faire face aux défis de l'énergie et de l'ingénierie. Donc, ce que nous avons fait jusqu'à là, comme j'ai mentionné, nous avons fait des analyses de politiques et bien d'autres, et qui a mis à bord les parties prenantes. Et nous avons aussi le conseil de construction. Nous avons soumis notre proposition. Donc, il y a des papiers, les documents et des processus pour la modification des lois. Et c'est un travail en cours. Je pense que vous pouvez voir là-bas, nous devons être capables de lier cela à la loi janvier 2023. Et pour l'instant, ce que nous avons déjà fait, ce que nous avons fait, les ateliers de sensibilisation sur la construction verte et avec les parties prenantes et bien d'autres. Nous sommes dans les villes secondaires pour donner les plans de construction. Nous avons fait des formations au sein du comité de planification parce que ce dernier doit approuver des projets avant la construction. Donc, nous étions capables de sensibiliser pour connaître les
bénéfices de cela. Et nous avons formé plus de 150 experts, des formations spécifiques au secteur privé, et nous avons juste 10 villes secondaires et bien d'autres. Donc, nous essayons maintenant d'élargir la formation aux ingénieurs et aux créateurs qui ont indiqué que si nous pourrions, nous pouvions intégrer le concept et ces entreprises seront capables de réaliser ce projet. Mais aussi, il y a un problème de loi claire et de réglementation. Ce que nous avons fait, en plus de sensibilisation, c'est voir la question de sécularité mise en place en Ouganda. Donc, nous avons construit des bâtiments la zone cosmopolitaine et les bureaux et bien d'autres centres. Et la plupart de nos immeubles ne sont pas, je veux dire, la plupart des immeubles ne sont pas conformes à l'environnement et sont orientés en fonction de la route, et donc, et cela n'est pas conforme aux émissions. Et donc, nous sommes chanceux de voir que la plupart des immeubles n'ont pas d'efficacité, et certains ont des lieux de parking, ils ont des climatiseurs, mais aussi d'autres, les systèmes de climatiseurs ne sont pas vraiment conformes à la santé parce qu'il y a beaucoup d'émissions de carbone. Nous avons trouvé que plus de moitié des immeubles suivent et respectent les bonnes pratiques. Et il y a la plupart des maisons qui fabriquent l'énergie solaire et de biogaz. Donc, nous avons trouvé que la plupart des endroits de lumière ils utilisent le solaire et le biogaz comme étant source d'énergie. Et nous pouvons voir les hôpitaux utilisent les matériaux qui sont efficaces. Et la plupart de tout cela est lié à la technologie. Parce que cela a un élément de création. La créativité. Il y a, quand vous comparez LED et bien d'autres toits verts, il y a toujours la technologie qui vient et crée l'efficacité. Est-ce que vous pouvez prendre juste une minute pour souligner des éléments clairs pour que nous concluions notre session. Ce qui est efficace aussi, c'est que la technologie a pu créer et comparer l'efficacité des matériaux et nous utilisons la technologie pour créer la plupart des
bâtiments et les activités de des immeubles verts sont confrontés aux défis tels que les coûts élevés et de l'ignorance par la population. Et nous trouvons aussi un aspect culturel. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est que nous devons renforcer la capacité et nous avons besoin des mécanismes, des crédits et heureusement qu'il y a des efforts ici. Il y a des prêts pour la construction des immeubles. Donc, nous pouvons avoir une proportion de finances et des crédits. Et même si nous ne sommes pas capables de nous conformer à cela, il y a toujours un centre intégré où nous pouvons avoir finances. Et pour conclure, les immeubles verts ont besoin de la technologie, mais nous avons besoin de voir encore plus la création et la structure, et cela va nous aider dans la transition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, George. J'apprécie vraiment votre propos de clôture que nous avons besoin des structures et c'est une position que Noël a abordée. Nous avons besoin des matériels, des matériaux et l'importance d'établir les liens entre les bonnes pratiques et les politiques. Voilà. Et vous avez souligné que les politiques sont là, mais ne sont pas vraiment respectées. Donc, les experts peuvent se conformer à ces politiques. Et les cadres aussi sont clairs et nous montrent bien où aller et quel chemin emprunter. J'apprécie aussi l'accent mis sur la sensibilisation comme changement de comportement aussi. Les populations ne vont pas comprendre l'avantage de ces immeubles verts. Et donc, vous avez aussi souligné l'affaire de modèle de construction qui est toujours abordé par Noël. Si nous pouvons introduire les éléments à mesurer et si nous faisons allusion à ce que a mentionné Noëlla, nous allons voir comment est l'efficacité en fonction de nos désirs. Vous avez parlé de l'efficacité d'énergie et cela est vraiment important. Je pense que nous allons inviter notre intervenant, Kabore. Il est là pour soutenir le fonds pour les projets d'efficacité au Burkina Faso. Madi, vous pouvez me donner le test de projet, les titres de projet. Je pense que j'ai bien introduit. Il est possible pour l'efficacité d'énergie et les consultations avec les parties prenantes, y compris la bonne pratique et aussi dans la région, mais aussi dans le pays Burkina Faso. Il est dans le bureau du Burkina Faso, du GGI, et il est expert certifié dans l'énergie et les processus, le traitement des industries. Il est doctorant dans la science du bâtiment d'université en France. Il a un certificat de gestion de projet. À vous la parole, Monsieur Mahdi. Merci beaucoup, Liliane, pour la présentation. Merci à vous tous, les participants et les organisateurs. Nous allons présenter
une étude menée au Burkina Faso liée aux matériaux les solutions d'affroidissement au Burkina Faso. Et notre agenda, vous pouvez voir, nous avons le contenu texte, la méthodologie, l'état de les ménages, électroménages de cooling, et etc. Et notre cooling de l'énergie dans nos bâtiments, nous pouvons voir qu'il y a accès à climatisation qui est très peu. En 2050, plus de 60% de la population auront accès à cela dû à la croissance de la population. Et pour réduire la demande d'énergie en fonction de la performance de bâtiments et de la technologie. Nous essayons de promouvoir cela dans le cadre de le projet de Energy Cooling au Burkina Faso, financé par un partenariat de ministère de résidence et des villes avec nous. Nous menons cette enquête sur les systèmes individuels de climatisation et nous avons fait beaucoup d'enquêtes. Nous étions capables de faire les enquêtes physiquement dans des régions de Burkina Faso avec les fournisseurs, mais aussi l'académie, les architectes et les ingénieurs. Il y avait des spécificités de ces projets au Burkina Faso. Et en ce qui concerne les électroménagers de climatisation, ils sont accessibles presque à tout le monde, qui augmente la production de carbone au lieu de réduire, mais aussi au marché, l'importation est plus de 200%. Et là, c'est pour les ventilateurs, et comparé entre 2011 et 2015. Et nous pouvons voir l'importation de climatiseurs est à 39%. Et le marché aussi est caractérisé par les matériaux utilisés dans le système. Et le bureau de taxes considère ces matériaux, les matériaux les plus exigés, donc encaissent 40% de taxes. Donc, ils sont capables d'affroidir l'air. En termes de l'électroménager, il y a l'efficacité de climatiseur. Et ici, à Kambang, nous avons étudié le marché et nous avons remarqué que la partie de l'efficacité de l'énergie peut être considérée avec la performance de la nouvelle technologie liée au système de climatiseur. Et si nous comparons avec les standards de performance d'énergie aujourd'hui au niveau régional, nous n'avons pas encore mis en place au Burkina
le montant des systèmes de marché et de climatiseurs que nous trouvons dans le market ont toujours ce qu'on appelle twister. Donc, l'origine de l'électroménager provient de l'Asie et de l'Europe. Et ce que nous avons réalisé de la revue de la littérature, c'est que la Chine, la Malaisie ou l'Inde, ils ont les standards de la performance d'énergie et la plupart de l'électroménager viennent de ces pays. Et nous, CCPM, ce que nous avons au marché, peuvent être vendus dans le marché d'original. Donc, cela aussi implique le G dans les déchets. Et cela vraiment est un problème au Burkina Faso parce que nous avons les mêmes caractéristiques au Ghana dans le système de déchets. Et en ce qui concerne les électroménagers, nous avons trouvé que le taux d'accès au climatiseur est à 3,8%, alors que pour les ventilateurs, c'est 46%. Et pour l'achat, la population préfère les électroménagers pour la fraîcheur. Et dans notre rapport, ce que nous devons développer, ce sont des modèles financiers pour augmenter l'accès et pour trouver un moyen de comment trouver ces modèles financiers. Et nous pouvons agir sur la réduction des taxes parce que c'est un défi à partir du niveau de la CEDEAO. Et donc, l'une des solutions que nous avons ici, c'est le financement pour les services qui peuvent nous aider à avoir des climatiseurs, mais aussi utiliser et repayer plus tard. Donc, nous avons les spécificités dans le marché et nous avons des spécificités des électroménagers. Et nous pouvons noter qu'il y a la confortabilité dans ces utilisations. Et en termes de marché, nous avons noté beaucoup de publicité et le marché n'embrasse pas la technologie, mais plutôt ne regarde pas la performance de ces électroménagers. Nous pouvons voir les murs pour refléter la chaleur. Nous avons besoin des murs et des toits qui nous aident dans la ventilation. Et concernant les climatiseurs et les ventilateurs, nous utilisons
le métal pour ces constructions. Nous avons trouvé la plupart des personnes qui utilisent cette technologie ont le problème de ventilateur ouvert. Vous pouvez voir à partir de l'image que le mur n'a pas de système de ventilateur et ceci ne peut pas aider à avoir l'air frais dans la maison, et mais aussi le toit garde bien la chaleur. Et les solutions de toit sont là pour éviter les radiations. Et lors de la collecte des données, nous avons vu que les toits n'utilisent pas les bonnes couleurs pour refléter les radiations. Donc, nous avons besoin des bons réflecteurs pour refléter les chaleurs. Et ce sont les solutions dont nous avons besoin pour cette lacune d'énergie. Et nous avons aussi la couleur gris et la couleur jaune qui pourrait défendre le climat de la maison. Mais il y a aussi les murs noirs qui sont utilisés au capital, à la capitale, et surtout dans les saisons de chaleur. Et pour la stratégie de fraîcheur, nous avons des contradictions. Et il y a 61% qui ont dit oui et 29% non. Et 9,1% qui ont estimé qui n'ont pas répondu, tout simplement. Et vous pouvez voir, il y a les appareils utilisés qui ne sont pas bien optimisés. Et pour les architectes et les ingénieurs, ceci ne fait pas partie de créativité. Pour conclure, nous mettons l'accent sur les résultats, la dissémination de ces résultats. Et notre première cible, c'est de travailler avec les officiers du gouvernement et qui nous demandent le résultat de notre enquête pour considérer les spécificités d'énergie pour leur base de données ciblant les bâtiments publics, mais aussi l'ordre des bâtiments est en cours et c'est pour l'efficacité d'énergie. Nous soutenons aussi le gouvernement pour les électroménagers de fraîcheur où nous avons les défis qui est les taxes à 40%. Et c'est vraiment un défi et nous avons besoin de remédier ce problème. Et pour la population, nous sensibilisons mais aussi pour les immeubles sociaux, il y a toujours la création de ces bâtiments parce que en collaboration avec les ministères, parce que au Burkina Faso, nous avons
des prises de décision dans la construction. Et cela doit avoir de pair avec des stratégies de considération. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Mahdi, pour cette présentation et le résumé de votre enquête menée. Je pense qu'il est vraiment intéressant de noter la création passive pour la fraîcheur, surtout en ce qui concerne les taux de taxes qui sont liés au climat électroménager, climatiseurs qui sont vraiment élevés en coût. Et donc, vos recommandations de couper les taxes, mais aussi les chercher des finances, des fonds pour la construction de ces bâtiments. Mais à partir de l'enquête, vous avez noté que le type de matériel de toit sont vraiment nécessaires pour atteindre le système d'aération de la maison. Je pense qu'il est vraiment important aussi de dire que sans parler des normes des immeubles et des cadres, il sera vraiment difficile de réguler le marché et cela va aboutir aux déchets, comme vous l'avez bien mentionné. Et donc, nous avons besoin d'atteindre les normes en tant que continent. J'aimerais bien le fait que vous avez engagé l'académie, les universités, les experts, les parties prenantes, et il est vraiment important de comprendre que cela va de pair avec les normes de construction. J'aimerais bien saisir cette opportunité pour inviter notre dernier présentateur, M. Olivier Rakaza, il est le fondateur de Rise Africa. Il est dans la chaîne de Luanda. Il est enthousiaste, gradué dans le collège de l'Institut Polytechnique à Kigali. Il est dans le leadership au sein de l'université. Il a partagé ses pensées dans la plateforme et aussi, comme vous le savez, l'objectif de cette semaine, c'est de partager les connaissances en tant que pays, en tant que continent et en tant que le monde. Olivier, à vous la parole. Merci. Désolé, Olivier, je pense que votre micro est éteint. J'ai dit, je m'appelle Olivia Rakaza, Arakaza. Bonjour et bonsoir à vous tous. Et donc, je vais partager mon écran. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'Afrique verte. Et cela vient des experts de l'Afrique qui partagent les expertises pour les aider à bien aboutir. Parlant des activités de construction, les bâtiments ont contribué à 47% de l'émission mondiale de carbone. Et cela est vraiment critique dans les pays d'Afrique où la plupart des experts ne sont pas éduqués, instruits sur ce. Et donc, pour le développement des constructions qui ont lieu dans différents endroits en Afrique. Et l'effet environnemental
doit être considéré sérieusement. Et établir les ponts devrait être notre priorité, comme cela a été souligné par le thème de cette réunion. Et l'Afrique sera la maison de milliards de personnes. Et ces personnes ont besoin d'un endroit où résider. Et si nous ne parlons pas des constructions propres, et les émissions vont doubler. Et cela nous affectera le climat mondial. Et pour nous, pour faire face à cela, nous avons besoin de beaucoup de professionnels pour mettre en place tout ce dont nous parlons ici, des bonnes pratiques dont nous présentons ici. Si nous ne parlons pas des professionnels, rien ne va se concrétiser. Nous avons besoin d'eux. Pardon, Olivier? Il n'y avait pas changement de diapositive. J'étais derrière. Voilà. Comme cela a été souligné par les intervenants passés, nous avons 27% qui vient des émissions de carbone provenant des opérations 10 et le reste ailleurs dans le secteur de bâtiment. Et c'est quoi la cause? C'est un manque de l'éducation qui n'est pas accessible en Afrique. Par exemple, le Rwanda est reconnu en Afrique pour la promotion de la construction verte. Par contre, notre système d'éducation n'est pas bien défini. Par exemple, le mois passé, j'ai effectué une étude concernant les universités portant sur la construction et j'ai trouvé aucune qui donnait l'éducation propice, appropriée. Et nous avons toujours plus d'ingénieurs par an. Ils produisent plus de 10 000 de population dans les années à venir. Donc, nous avons besoin de les engager dans de bonnes pratiques. Imaginez, si ceci a lieu au Rwanda, qu'est-ce qui se passe ailleurs où il n'y a pas encore la mise en place de ce programme. Je n'ignore pas le fait que nous avons un nombre d'experts qui peuvent former les autres experts, mais les avoir pour former personnellement, c'est un travail qui n'est pas impossible. Et s'ils peuvent partager leurs expériences avec le reste des ingénieurs, de pencher sur la construction, cela sera efficace. Et selon le thème, la densité de la population va doubler. En 2050. Et cela nécessite l'efficacité dans la construction des bâtiments. Parce que le taux de carbone émis en Afrique va toujours augmenter. Et si nous n'avons plus d'options, il n'y aura pas assez de nombre des infrastructures nécessaires pour nous aider à résoudre le problème. Et l'éducation est un facteur crucial. Et la population a besoin de l'éducation
comme étant la fondation de la civilisation moderne qui aussi les aide à trouver la solution à leurs problèmes. Comme je l'ai dit, l'Afrique est une plateforme qui va aider les professionnels de construction pour acquérir la connaissance, pour pouvoir pratiquer la construction verte. Pour ce qui est de la construction ou les activités de construction, le coût pour cette plateforme devrait être créé en conformément au contexte africain, surtout dans les industries. Donc pour nous, pour faire la construction appropriée, nous avons besoin des connaissances appropriées pour le développement des infrastructures. Notre objectif, c'est pour les experts et les ingénieurs. Also, it's another focus is on the student as you want. Ils sont vraiment maintenant en train d'émerger, mais aussi les ingénieurs de l'Afrique. Si nous ne valorisons pas le potentiel de l'éducation pour la construction verte, d'ici 2050, ce projet ne sera pas réalisé. Nous avons besoin d'un grand nombre qui va nous aider à contribuer à réduire l'émission de carbone. Et surtout pour notre Afrique, aura le double de la population d'ici 2050. Au lieu de dépendre d'autres facteurs, nous avons besoin de créer la capacité au sein des étudiants à créer des projets verts. Et nous croyons que les constructeurs peuvent conseiller les étudiants sur ce qu'ils peuvent appliquer ou ce qu'ils ne peuvent pas appliquer. En tant qu'Afrique, nous espérons augmenter le nombre d'ingénieurs, surtout au Rwanda, pour avoir un impact significatif. Surtout au Rwanda, nous espérons avoir plus de 30% en 2034 si nous aidons la population. Donc, c'est nous, les professionnels de construction, nous avons besoin d'éduquer la population pour pouvoir aboutir à nos problèmes. Vous êtes invité pour nous joindre. Je m'appelle Olivier Alakaza, je vous remercie. Merci beaucoup pour nous faire parcourir les attentes de l'Afrique, surtout la question de la participation des experts en Afrique. Et nous pouvons peut-être offrir vos projets de construction verte aussi sur cette plateforme. Et je salue aussi le partage de vos points. Et maintenant, j'aimerais bien inviter les présentateurs d'activer leurs vidéos et aussi à partir des questions, vous pouvez éteindre après avoir répondu. Et
J'ai déjà les questions. Je vois qu'il y a un problème. Thank you. Jacob, are you there? Could you please address Lilian's request, please? Yes, we can hear you. Please go ahead. Okay, thank you very much for the translator. I'll merci read beaucoup pour l'interprétation. Je vais essayer de répondre à cette question. Pablo, la première question, je vais lire encore. La première question vient de George Diao. Je pense que j'ai bien prononcé votre nom. Et la question porte sur comment balancer entre l'équilibre entre les praticiens et les universités, parce que la plupart du temps, il y a toujours un décalage entre les universités, les intellectuels et aussi les experts. Donc, à vous de répondre. Question. Donc, la deuxième question, comment sont les défis que nous avons en Afrique sont conformes à d'autres LATAM? Je pense que j'ai bien lu. Je pense que je ne suis pas sûr. De l'Amérique latine. Comment sont les défis que vous avez en Afrique sont liés à ceux que nous avons en Amérique latine? Je vais commencer par George. Vous êtes praticien. Comment vous voyez que ces liens peuvent être comblés, ces lacunes? C'est une bonne question. Je vais commencer par illustrer. Dans l'Ouganda en entier, nous avons plusieurs architectes et l'université peut juste prendre seulement 15 étudiants par an. Et cela vous montre que nous avons une capacité limitée pour former des professionnels et par conséquent, les personnes qui utilisent les maçons qui ne sont pas qualifiées sur le champ. Donc, il n'y a pas de lien entre les connaissances locales, l'éducation et les praticiens. Et maintenant, nous essayons de mettre à niveau les connaissances, si cela peut bien servir dans au sein des professionnels pour pouvoir appliquer les bonnes pratiques. Parce que
les selon sur le point de vue de la construction, chaque bâtiment doit être certifié par un architecte et il doit y avoir une signature d'un architecte. Donc, vous pouvez voir que nous avons un défi de structure et aussi l'éducation. Les instituts de l'éducation supérieure doivent aussi résoudre ce problème. Merci beaucoup, Joël. À vous, Noël. Vous avez souligné que vous travaillez beaucoup avec l'Université de Rwanda et d'autres instituts. Il sera mieux de comprendre de votre point de vue en tant qu'experte, comment vous pouvez bien établir le pont entre ces deux côtés pour avoir des pratiques durables. Merci beaucoup, c'est une bonne question. Je pense que ce que nous produisons maintenant, nous essayons de travailler avec l'Université de Rwanda. Donc, je pourrais dire que cela commence à partir de l'école, mais aussi c'est vraiment important d'inclure les universités et en termes d'ingénieurs. C'est quelque chose que nous essayons de nous engager là-dedans, mais nous essayons de travailler ensemble pour établir le partenariat entre les deux. Merci beaucoup. Juste pour combiner ce que vous avez souligné avec George, c'est mettre à niveau les connaissances et des experts, mais aussi prendre les travaux pratiques pour partager les expériences, mais aussi mettre les étudiants à bord dès les premiers étages pour pouvoir grandir dans le domaine. Et comme George a souligné, pour colmater les brèches, nous avons besoin des praticiens et les intellectuels d'atteindre cela. Je pars maintenant à Steve. Merci beaucoup pour cette question. Je dédie ma question à Niali. Quel est le rôle de Oxara? Je ne suis pas sûr que vous étiez capable de partager toute la composition en termes de limitations et tout ce que vous pouvez partager, mais pour vous donner juste un aperçu de Oxara, qu'est-ce qui rend unique les produits qui pourraient répondre aux problèmes en Afrique? Merci pour cette bonne question. Donc, en termes de composition de nos matériaux, la plupart sont locaux et nous avons l'argile, la plupart du temps l'argile et bien d'autres que nous pouvons trouver dans la communauté locale et 2%, nous avons les matériaux que nous pouvons développer, produits par les minéraux et nous avons sodium, silicate et tous les minéraux que nous pouvons combiner avec les matériaux locaux tout à travers le processus. Et ce qui nous rend unique, c'est que ces matériaux sont disponibles partout dans le monde et nous voulons une purité que nous voulons, mais nous pouvons toujours travailler pour atteindre la performance que nous voulons. Donc, il y a toujours un équilibre pour connaître les minéraux que nous voulons.
Pour répondre à la première question, je pense du Togo, je trouve un peu embarrassant de trouver de bien s'occuper de cela quand je suis arrivé à l'université. Pour moi, quand nous essayons de colmater les brèches dans cela, nous devons apprendre dès les premières étapes pour savoir, parce que nous n'avons pas besoin du matériel, mais nous avons besoin de comprendre la composition de ces matériaux. Et la plupart du temps, nous entendons à l'université, mais nous devons nous poser juste une question simple, de quoi il s'agit ce matériel, et pour être capable de résoudre le problème ou la question de matériel lié à la construction. Merci beaucoup. J'aimerais bien vous poser la dernière question que nous avons sauté. Et j'aimerais bien que tous les intervenants répondent à cela. Quels sont les problèmes que nous avons en Afrique et que nous partageons aussi en Amérique latine en termes de construction verte? Et je ne sais pas si vous avez des expériences sur le marché de l'Amérique latine et des expériences que vous pouvez partager. Je peux vous partager mon expérience avec de Oxala. Nous avons des projets au Mexique et au Brésil. Et ce que nous avons observé, il y a des préoccupations sur la technologie et cela est ancré dans la communauté locale. Et donc, nous avons besoin de matériel pour construire les maisons. Et de la même manière, les mêmes questions que nous avons en Afrique, ce sont les mêmes questions. Les personnes utilisent les connaissances locales et traditionnelles au lieu d'utiliser ce qui est bien technique et important. Et si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de traduire cela en Afrique ou en Amérique latine, je pense que nous aurons toujours un problème. Donc, nous avons besoin d'être capables de mettre à bord les différents acteurs dès le début, mais aussi à travers les processus d'éducation, les cursus scolaires. Et donc, nous avons besoin de construire nouveau et les technologies, être capables. Et pour être capable pour atteindre nos objectifs. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais partir à la prochaine question répondue par George, mais je vais dédier à Madi cette question. Y a-t-il des faveurs pour les eco-friendly, les bâtiments favorable à l'écosystème? Et donc, maintenant, il y a une autre question concernant les constructions en Ouganda financées par des banques comme Equity Bank, Sentinel Bank, Equity Bank et bien d'autres. Et il y a toujours les subventions qui donnent les taux un peu moins élevés. Est-ce que Madi, vous voyez cela au Burkina Faso et dans la région? Mais oui, merci beaucoup au Burkina. Nous voyons que la population n'a pas accès aux institutions financières. C'est dû à l'instabilité des recettes. Par exemple, les programmes des immeubles, nous avons des mécanismes étatiques.
vers les entreprises étatiques, par exemple pour la construction de matériaux. Les immeubles ont les réductions des taxes. Quand nous faisons cela sur les constructions pour pouvoir réduire les coûts de construction des immeubles. Mais aussi, l'un des défis que nous voyons, nous partageons avec l'Amérique latine, c'est qu'au Burkina, nous avons la construction informelle. Nous en avons beaucoup. Et ici, nous avons une sorte de mécanisme où bien l'État essaie de formaliser la construction pour ne pas démolir, mais ils essaient d'incorporer cela dans le programme. Donc, il y a toujours une partie qui ne respecte pas, mais nous essayons de formaliser en leur fournissant le système d'eau, mais aussi d'électricité. Donc, c'est juste une sorte d'image que j'ai de l'Amérique latine ou une sorte de construction informelle qui est formalisée maintenant. Parce que nous sommes là maintenant après 20 ans, 30 ans, et ce n'est pas bien de démolir leur résidence. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour profiter de ce temps, peu de temps que nous avons. J'aimerais bien poser deux questions. La première à Olivier. Olivier, quel processus souligné par les plateformes, est-ce qu'il y a le site web qui est toujours en marche parce qu'il y a l'un des participants qui ne peut pas y accéder. Et si c'est activé, et qu'est-ce qu'on a besoin pour activer? Merci. Je pense que pour l'instant, cela dépend du coût que vous voulez prendre. Cela part de 3 jusqu'à 6 mois et tout dépend du constructeur. Et cela va être prêt à la fin de ce mois. Et la plateforme sera fonctionnelle à la fin de ce mois. Merci beaucoup. Si vous pouvez partager le lien dans le chat, si vous pensez que vous pouvez utiliser pour cette plateforme, et nos participants pourraient être capables d'y accéder à la fin du mois. La dernière question, c'est la question de notre dernière question, qui est la dernière, vient de Jason Poon, qui estime est-ce qu'il est capable pour résister au tremblement de terre, ces immeubles verts. J'aimerais bien entendre de Niali et Noël qui sont directement inclus et concernés dans la construction de ces matériaux alternatifs de construction. Et nous voulons comprendre si cette approche de construction sera résistante au tremblement de terre. À vous, Niali, merci. Ce que nous faisons, c'est de performer les tests pour connaître les tendances de tremblement de terre. Tant que les éléments sont uniques ou bien en tant que un bloc. Et donc, nous observons les caractéristiques du matériel fourni. Donc, peut-être Noël aurait plus d'informations. Noël, si vous pouvez ajouter des points et nous donner aussi des statistiques, des points clairs sur cela concernant la construction.
Merci. Comme vous le savez, surtout au Rwanda, nous avons pu créer. Je peux vous donner un exemple sur la conservation de l'agriculture. Nous avions des structures qui sont bien modélées pour répondre aux besoins en termes de en termes de hauteur et en termes de stabilité. Mais je peux aussi vous donner un exemple. Nous avons pu chauffer en utilisant les SBI. Donc, une réponse courte, c'est qu'il est possible, surtout, de les utiliser dans les zones sismiques comme le Rwanda. Merci beaucoup pour ce retour. Et sur ce, est-ce que je pourrais ajouter quelque chose rapidement? Oui, je pense que cela nous renvoie à la question initiale. Comment nous pouvons avoir les académiciens et les techniciens ensemble? C'est vrai, l'eau est vraiment bonne à l'être humain, mais boire plus d'eau n'est pas bon pour la santé. Et donc, si nous avons les modèles qui ne sont pas conformes au séisme, et cela va engendrer des problèmes. Donc, nous avons besoin des ingénieurs et des maçons, voir le matériau propre, approprié pour bien construire la génération future. Merci beaucoup. Je vous remercie les intervenants. Donc, nous sommes à court de temps. Je ne vais pas vous donner une minute pour pouvoir vous exprimer, mais j'espère que toutes les coordonnées seront partagées avec les participants en ligne sur le site de GGGI. Et vous avez aussi des opportunités pour tous ceux qui voudrions partager et ajouter des informations supplémentaires. Et il y a beaucoup de points qui sont mentionnés aujourd'hui. Au cas où il y a quelqu'un qui veut partager, ajouter sur ce qui est déjà bâti. Je vous remercie beaucoup et je salue vos discussions intéressantes. Et je crois que si nous avions un peu plus de temps, nous serions peut-être capables d'avoir accès à l'utilisation propre et saine de matériaux. J'aimerais bien apprécier et remercier le public, les participants, et pour vos idées et vos questions partagées dans le chat. Comme vous pouvez voir sur le site, il y a des événements qui suivent toujours. Vous pouvez vous joindre là-bas, mais aussi il y a aussi l'enregistrement de la session, mais aussi il y aura les sessions qui pourront mis à jour plus tard. Et je voudrais bien inviter notre directeur régional, M. Fofana, pour conclure la session. Merci beaucoup, Julien. Merci aussi pour la modération. J'ai écouté pendant plus d'une heure et demie et il y avait beaucoup d'idées de plusieurs coins de la région. Merci beaucoup pour vos contributions. J'aimerais bien aussi souligner que le secteur des immeubles, d'immobilier, a toujours besoin d'être développé. Mais aussi, nous avons besoin de comprendre que
la plupart des finances ou les acteurs ne connaissent pas les parties des solutions. Et c'est toujours important pour les personnes qui travaillent dans le domaine d'incorporer ces éléments. Je pourrais aussi ajouter que ce que nous voyons en Égypte, ce qui est construit des milliers d'années avant Jésus-Christ, cela a en Afrique a commencé il y a des décennies, des siècles. Et donc, en Afrique, nous pouvons toujours donner des suggestions dans la construction. Et ce que j'aimerais bien partager aussi, c'est que nous devons donner les bâtiments comme solution au changement climatique et non pas avoir peur du changement climatique. Donc, il y a beaucoup de points intéressants aujourd'hui. Donc, il est vraiment important de voir ce que nous voyons aujourd'hui. La plupart de temps que nous avons des idées, mais nous n'avons pas comment avancer pour construire. Donc, nous avons besoin de mettre tout en pratique et cela va nous aider. Et le troisième point, c'est que l'environnement propice. Nous avons besoin des bâtiments sociaux pour pouvoir inclure tout le monde. Et nous avons plus de 2 milliards de personnes en Afrique et ils doivent vivre bien. Et pour un pays comme Dar es Salaam, nous avons plus de 70% de la population qui sont dans la situation, qui sont vulnérables. Donc, quand nous avons des idées, nous avons besoin aussi de les présenter aux institutions financières pour pouvoir nous aider. Mais aussi, les banques travaillent avec les gouvernements. Ils peuvent toujours vous aider de avancer pour pouvoir avoir accès au capital. Donc, nous pouvons intégrer cela. L'élément concernant la politique et les régulations, nous pouvons toujours avoir des politiques en place et des instruments. Nous pouvons toujours travailler avec des politiques qui nous aident à établir les régulations. Donc, cela veut dire que si nous avons la formation dans tout cela, cela va nous aider. Et les décideurs peuvent toujours mieux comprendre la nécessité d'avoir les immeubles sains dans le processus. Et cela va aussi nous aider à comprendre l'impact de tout cela. Et quand nous parlons de bâtiments, c'est parce que nous parlons d'héritance culturelle, parce que cela prend du temps, parce que la culture est toujours impliquée et nous devons toujours sensibiliser la population pour avoir le renforcement de capacité de la population et des experts pour pouvoir partir ensemble. Par exemple, on peut regarder la taille de la fenêtre, etc. Mais cela concerne les ingénieurs, mais aussi les personnes du secteur privé pour mieux comprendre qu'est-ce qu'ils devraient apprendre les phases de développement. Et cette sorte de plateforme pourrait être utile. Et donc, j'étais vraiment content d'entendre des idées et je suis sûr qu'il y a toujours à faire. Mountain year that we can ceci
concerne les plateformes que nous pouvons construire les mouvements solides pour pouvoir, comme je dis, la construction qui est partie de la solution de changement climatique. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup, Dr. Mali. Je vais prendre votre dernier point, construire les immeubles comme partie de solution changement climatique. Et je vous remercie aussi pour votre point. Et nous devons regarder comment nous pouvons faire mieux pour préparer un meilleur avenir. Donc, merci beaucoup pour vos points de vue. Et je vous remercie tous pour votre participation sur cette session, dans cette session. Et je vous remercie les intervenants, présentateurs. C'était intéressant de vous entendre. Et je vous remercie aussi pour votre participation active. Et la plupart des participants sont connectés individuellement pour avoir beaucoup d'idées ici. Et je vous remercie et bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit, vos heures. Au revoir.